Coucou, comment allez-vous? Je suis en train de ranger la table du petit-déj puisque Inès a tout lâché dans l'évier sans faire l'effort de mettre tout au lave-vaisselle, mais je pense que tous les parents vivent à peu près la même chose chaque matin. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime vlogmas de cette saison. Je crois que c'est la troisième année que j'en fais. Donc pour cette année 2023, moi j'ai été ravie de ces vlogs. Je suis contente d'être arrivée au bout aussi parce qu'en fait je sais jamais trop de quoi ma fin du mois de novembre et mon mois de décembre sera faite entre voilà, les virus qui s'infiltrent dans la vie, les aléas, etc. Donc je suis contente d'être arrivée jusqu'au bout. Et alors je ne sais pas si c'est une impression, mais moi j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes sur YouTube qui font des vlogmas ou qui sont réguliers dans leur publication de vidéos. Alors je pense que je vous apprends rien et que vous vous en doutez, mais YouTube n'est pas une plateforme extrêmement rémunératrice, à moins que vous fassiez des millions et des millions de vues. Pour être tout à fait transparente avec vous, moi l'argent que je gagne sur ce mois de Vlogmas représente une collab sur Instagram, voire deux collabs éventuellement, mais voilà, en termes de travail, c'est beaucoup beaucoup de travail pour pas forcément beaucoup de rémunération. Vous savez que vraiment moi ce qui m'anime c'est ce qui me fait plaisir et ce qui vous plaît et c'est réellement ce que je place de façon la plus importante dans ce que je propose. Hein. C'est pas pour rien que j'ai tenu un podcast pendant 3 ans qui ne m'a pas rapporté d'argent parce que tout ce que je veux c'est faire des choses qui me plaisent et je veux pas que ma vie soit dictée par la rémunération. C'est pour ça que je m'accroche à YouTube, c'est une plateforme que j'aime toujours autant, qui se complète bien avec ce que je peux proposer ailleurs, les articles sur le blog, tout ce que je poste sur Instagram, sur TikTok, etc. Et voilà, je m'y accroche et du coup je suis contente de voir que ça vous plaît toujours autant. Et en termes de statistiques, alors je plonge jamais trop dans le détail parce que ça m'intéresse pas trop, mais je vois de toute évidence que ça vous plaît, que ça vous plaît davantage que les autres années, donc je suis ravie de ce mois à vos côtés. Je serais curieuse d'avoir vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous pouvez me dire ce que vous n'avez pas aimé dans ces vlogs, il n'y a pas de souci. Je sais que l'année dernière, plusieurs personnes s'étaient plaintes le mot est un peu fort, mais du fait que je présentais pas forcément de choses dans le cadre privé, peut-être faire des recettes avec ma fille, etc. Mais voilà, je vous le redis, mais ces vlogs, pour moi, c'est la bonne frontière entre la vie pro, la vie perso, et je veux pas trop que ça s'infiltre dans ma vie privée, donc pour moi, c'est le bon delta, mais je vous laisse me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas appréciées. J'accepte les critiques, même négatives, avec grand plaisir pour pouvoir vous proposer quelque chose de plus adapté l'année prochaine. Donc, je vous ai même pas donné la date du jour. Aujourd'hui, on est jeudi 21 décembre. Je m'étais mis quelques petits jours de souplesse pour être sûre de finaliser les vlogs avant le 24, donc pari réussi, je suis trop contente. Je n'ai pas encore ouvert mes calendriers de l'Avent ce matin. Je vous propose qu'on le fasse ensemble. On ne l'aura jamais fait pendant ces 23 jours, on le fera le 24e. Alors, tout d'abord, le Bonne Maman, que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir. J'ai dit quoi? J'ai dit 21. Où est le 21? Il est là. Et la porte est déjà un tout petit peu ouverte. Alors du coup, en contenu, je vous ai dit, il y avait principalement des confitures, des pâtes à tartiner, des sachets de tisane et des petits biscuits. C'est une confiture orange, mandarine et fruits de la passion. Et alors vraiment, on est sur des confitures vraiment différentes de ce que moi je vois dans mon supermarché. J'ai eu fraise goyave, j'ai eu un caramel à la cannelle, j'ai eu plein de super choses et on en a déjà dégusté pas mal. Donc je me permets de vous conseiller ce calendrier, il est fabuleux. Et la case numéro 24 est là et je sais pas si vous arrivez à voir mais elle est très grande. Donc je me demande ce que ça va être. Et ensuite celui qu'on ne présente plus, le calendrier Kinder. Vous voyez qu'on a chacun le nôtre et j'ai même mis les prénoms en bas pour que personne pioche dans le calendrier d'un autre. Vous voyez quel point on prend les choses au sérieux. Alors chez Kinder, ils ont plusieurs calendriers. Celui-ci, c'est le plus light, entre guillemets. Donc c'est voilà, un chocobon ou un petit œuf comme ça. Lui, on l'a déjà eu dans les premiers jours. Et je pense qu'il y aura un œuf Kinder sur le 24 décembre. On avait pris la version quand même un petit peu plus light, si on peut parler de version light pour un calendrier de l'Avent qui propose du chocolat. Et je suis très fière de moi, puisque ce matin, j'ai réussi à attraper ce petit félin endormi. Et à lui couper les griffes. Alors, non, vous ne rêvez pas. Je coupe les griffes de mon chat avec un coupe-ongle pour bébé. Et je suis obligée de faire ça dans son sommeil parce que sinon elle se rebelle et elle est vraiment odieuse avec moi. Donc je n'ai pas d'autre solution. Nala fait partie de ces chats qui ne se coupent pas les griffes eux-mêmes, ni en les croquant avec ses dents, ni avec le grattoir. Enfin, les griffes ne tombent pas. Et après, elle s'accroche partout dans les draps, sur nous. Donc il faut qu'on lui coupe nous-mêmes. J'ai bien sûr un... Je crois qu'on appelle ça une guillotine. Un truc vraiment spécialisé pour... les griffes de chat, mais ça lui fragmente la griffe, en tout cas ça lui réussit pas du tout, et ça fait quelques années que j'ai eu l'idée de sortir le coupe-ongle, donc ça c'était celui qu'on utilisait sur Inès quand elle était bébé, et écoutez, ça marche beaucoup mieux,
Ça lui coupe la griffe nette et je n'ai pas le risque de couper la petite... vous savez, il y a une petite veine dans la griffe, donc... je fais vachement attention et je m'en sors pas trop mal. Mais il faut que je l'attrape en sommeil profond pour qu'elle ne m'attaque pas. Enfin bref, c'est tout un sketch. Alors du coup, je suis dépendante du fait qu'elle se trouve à l'endroit où elle se trouve au moment où je fais ça. Ce qui m'arrangeait bien, c'est que là, elle était sous le couvre-lit, donc j'ai pu ensuite le secouer un peu par la fenêtre pour enlever les griffes. Mais sinon, j'aspire tout simplement. Bref, j'ai pas mille autres solutions pour faire ça de façon paisible. Heureusement, ça se présente qu'une fois tous les... j'ai jamais fait le calcul, mais tous les mois ou tous les deux mois, pas beaucoup plus que ça. Et... me voilà dans la chambre d'Inès, où la lumière est très étrange puisque son volet n'est toujours pas réparé. Bref, ça va se faire en janvier, donc elle est toujours dans le noir, ma pauvre bichette. Je voulais peut-être raviver un souvenir. Est-ce que vous avez joué avec ce jeu, Docteur Maboule, quand vous étiez petit? Moi, c'était un de mes jeux favoris. Écoutez, ça n'a pas pris une ride, ça existe toujours. Alors, j'ai quand même trouvé ça assez cher, hein. C'est une vingtaine d'euros, ou peut-être un peu moins. Enfin bon, c'est pas donné. À partir de 6 ans, parce que donc il faut être un peu habile de ses doigts, et donc vous avez un bonhomme. Enfin, je pense que vous connaissez tous ce jeu, et qu'il est vraiment nécessaire que je vous le présente. Vous avez donc le patient qui est là. Vous lui glissez des toutes petites pièces en forme d'objet et en forme d'os dans les petites cases voilà, qui sont là, avec des formes. Vous piochez une carte, vous allez récupérer l'objet en question avec cette pince à épiler, et quand vous touchez les bords, voilà, ça vibre et le nez s'allume. Sachant que dans la version quand on était enfant, enfin, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un bruit, ça hurlait, donc je pense que heureusement, les équipes d'eux qui fait ça, Hasbro, se sont dit qu'il était peut-être mieux de juste mettre une vibration, ça vibre déjà pas mal, et un nez qui s'allume. Écoutez, des heures d'amusement, à partir de 6 ans ou même avant, hein, puis vous pouvez donner 2-3 chances aux enfants en fonction de leur âge pour réessayer jusqu'à récupérer le petit objet ou l'os ou autre. Mais c'est très sympa, et écoutez, je suis infirmière, hein, comme vous le savez. Je mets une raclée à Quentin et à Inès parce que j'arrive à faire les choses de façon hyper précise sans trembler. Et écoutez, je suis pas peu fière de vous annoncer que je suis la championne du docteur Maboule. Voilà. Ce qui est assez rassurant vu le métier que j'ai exercé pendant 11 ans. Mais voilà, si vous avez besoin d'une idée cadeau, alors pour Noël ça me paraît un peu cuit parce que, enfin, à moins que vous ayez faire vos courses le 24 là, mais pour, je sais pas, un anniversaire ou autre. Et j'imagine que ça se trouve très facilement sur Vinted ou ce genre de site. Et me voilà en route pour aller chercher Inès à l'école parce qu'on mange ensemble ce midi. Je voulais vous faire un point hug. Écoutez, je suis enchantée de mon achat, surtout de cette version courte qui est beaucoup plus facile à porter, avec toute forme de jean, toute longueur de jean. J'en suis absolument ravie. C'est un confort sans égal pour les pieds. Sachant que je ne sais pas pourquoi, mais cet hiver, j'ai tout le temps un peu froid. Ce qui est un truc qui m'arrive jamais. Mais dans un des derniers vlogmas que j'ai monté il n'y a pas longtemps là, je me suis entendue dire au moins 3 ou 4 fois pendant la vidéo « j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid », à tel point qu'à la fin du montage, je me suis dit « bah, tous les coups, ma vieille, tu vas être malade demain ». Alors non, écoutez, ou alors mes défenses immunitaires se portent bien, mais j'ai ce grand besoin de confort. Est-ce que c'est le grand âge qui me guette? C'est possible, tout ça pour dire que je suis ravie de mon achat. J'ai l'impression que je sors en chaussons et je ne me plains pas. Je viens de redéposer Inès à l'école, je me mets juste un bonnet et je repars dans l'autre sens à pied. J'ai rendez-vous dans 15 minutes, donc faut pas que je traîne trop. J'ai rendez-vous à la boutique Clarins des Nouvelles Galeries d'Annecy pour, peut-être, rien n'est sûr, organiser en janvier une rencontre avec quelques-unes de mes lectrices et avec les abonnés, lectrices, lecteurs, de Léa et Steven du compte Instagram et du blog d'ailleurs, Un Monde de Dinde. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de leur contenu, donc ce sont deux créateurs de contenu originaires d'Annecy. C'est Léa qui a lancé l'idée voilà, d'organiser quelque chose dans la boutique Clarins, et je trouve que c'est une super idée, donc on va aller s'occuper un peu de, voilà, des formalités, de comment ça se déroulerait, combien de personnes, à quel endroit, à quelle heure, etc. Donc je file tout de suite pour mon petit rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est tout à fait normal que j'ai un ballon de baudruche gonflé à l'hélium au bout du bras. Donc cette petite rencontre Clarins, écoutez, ça se profite bien, ça va se passer tout début janvier. Je vous invite à me suivre sur Instagram, notamment si vous êtes de ma région, puisque... ça sera une petite masterclass suivie d'une rencontre. Enfin, ça va être hyper sympa et je suis très contente de démarrer l'année avec une nouvelle rencontre. Moi, j'adore aller à votre rencontre. C'est pas toujours facile à organiser parce qu'il faut trouver des lieux qui soient capables de nous accueillir. Et bah, c'est pas toujours simple. Mais je suis ravie que ça se fasse avec Clarins et donc avec Léa du compte Un Monde de Dinde. Et donc, en sortant de la galerie commerciale, il y a une dame qui donnait des ballons. Et donc, j'en ai pris un pour Inès. Je vous invite à vivre l'expérience sociale que je viens de vivre, c'est-à-dire de vous balader pendant 15 minutes dans une ville avec un ballon gonflé à l'hélium au bout de votre bras. Les gens vous regardent avec un sourire, mais
Ça fait sourire même les plus grincheux. Enfin, c'était trop marrant comme expérience. Il y a eu des petits regards complices. Enfin, c'était trop chouette. Sans aucune surprise, je vais retourner travailler. Je me suis pris un petit chai latte au passage en sortant de mon rendez-vous. Je vais finir tout mon travail. Et dans un peu plus d'une heure, je repars chercher Inès à l'école. Fin de journée, il est 20h24. Inès est au lit. On a fini de manger. On va se poser devant la télé. Parce qu'aujourd'hui on est jeudi et donc il y a l'agence sur TMC qu'on ne loupera pour rien au monde. J'ai fait des cookies, ça m'a pris comme une envie de pisser. Écoutez, c'est toujours la même recette depuis, si ça fait pas 10 ans, c'est 8 ans. Elle est toujours sur mon blog, c'est toujours la même, c'est toujours celle-ci que j'utilise. Juste là, j'ai drastiquement réduit la quantité de sucre parce que la dernière fois que je les ai faits, je les ai trouvés très sucrés. Je pense que les goûts évoluent, donc j'ai juste réduit la quantité de sucre, mais le reste de la recette est intact. Voilà, si vous cherchez une recette de cookies, je vous la glisse dans la barre d'infos de cette vidéo. Je vous remercie pour ces 24 jours. Je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle série de Vlogmas. Je vais prendre juste une toute petite semaine off. Donc dimanche de la semaine prochaine, vous n'aurez pas de vidéo. Je reviens le 7 janvier, un truc comme ça, pour une nouvelle vidéo pour la rentrée. Et j'ai plein de choses de prévues. J'ai déjà commencé un peu à faire mon planning édito, donc j'ai plein d'idées. J'ai hâte de vous retrouver début 2024. Je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles fêtes, que vous soyez en famille, que vous soyez avec des amis. Je vous souhaite vraiment de passer du bon temps. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et donc j'allais oublier, mais n'oubliez pas de participer pour la 24e Neroli Box. Voilà, j'étais sûre que j'allais l'oublier une fois. Et bien écoutez, ça sera pour la 24e vidéo. Comme d'habitude, toutes les conditions sont sous la vidéo. À très vite.